propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouvel apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit Pierre. Bonsoir Pierre. Merci à toi, Benny. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Voilà, donc Pierre, pour mémoire, courtier broker à la City à Londres chez Active Trade. Et on a déjà fait deux vidéos ensemble, une présentation, puis on a parlé du Brexit, c'est ça, hein ? C'est vrai. On a fait la petite présentation de mon parcours et puis on avait parlé du Brexit. C'était la semaine dernière déjà. Ça va vite. Ouais. Et là, ce soir, on va parler. On me l'a beaucoup demandé. Hein. Qu'est-ce que le CFD ? Parce que moi, j'ai un compte CFD avec un robot de trading. Mais en fait, moi, je laisse tourner mon robot et pour dire la vérité, j'ai jamais rien compris au CFD. Donc pour moi aussi, ça va être intéressant, quoi. Bah écoute, le CFD, c'est plus qu'un produit, c'est une façon d'investir en bourse, en fait. C'est comme ça pourrait s'assimiler à ce qu'on appelle un véhicule financier. En fait, le CFD, c'est, alors déjà, on va commencer par définir les termes. Contract for difference, donc contrat pour la différence, c'est vraiment la traduction littérale. Donc là, ce qui se passe avec le CFD lorsqu'on achète un produit, par exemple un CFD sur actions, sur forex, matières premières, ce que vous voulez, c'est possible d'avoir des CFD sur vraiment toutes les classes d'actifs. On n'achète pas le produit en lui-même, comme on le fait par exemple via un compte titre avec sa banque traditionnelle. On achète le droit de jouer sur la variation de prix du produit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on achète, on va prendre le cas d'un CFD sur action, par exemple un CFD sur Air France, sur l'action Air France, d'accord ? Air France qui cote à, je crois qu'on est à 5 euros, en ce moment on est remonté à 5 euros. On n'achète pas donc l'action Air France, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de l'action Air France, on n'a pas les droits de vote aux assemblées générales, on n'est pas propriétaire du titre, on achète juste le droit de jouer sur la variation de prix. C'est-à-dire qu'en fait, on s'autorise à prendre des bénéfices sur la cote ou la décote du titre justement sous-jacent du CFD. Si, alors ça c'est un petit peu, c'est même la grosse particularité du CFD, si on n'achète pas le produit lui-même. Donc là normalement Denis, tu vas me dire quel est l'intérêt finalement d'acheter une action dont on n'est pas véritablement propriétaire. Quel est l'intérêt d'acheter l'action qu'on n'est pas propriétaire, Pierre d'ailleurs, ouais. Eh ben, je suis content que tu poses la question, Denis, parce que j'y viens. En fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'on n'est pas propriétaire du titre, il est donc normal que l'on n'achète pas justement, qu'on n'ait pas à dépenser l'intégralité de la somme qu'il faudrait normalement dépenser pour acheter ce titre. Donc, tu vois, pour reprendre l'exemple de notre action Air France à 5 euros. Air France à 5 euros, ça signifie que, justement, si je passe par un compte titre, bon, bah, je vais acheter une action Air France à 5 euros. Je dépense 5 euros, 10 actions, 50 euros, etc., etc. Avec le CFD, on a ce qu'on appelle l'effet de levier, qui pourrait s'assimiler justement à du trading sur marge, c'est-à-dire que vu qu'on n'est pas propriétaire de l'actif, on achète juste le droit de jouer sur la variation de prix, ça veut dire que le trader n'aura juste à débourser qu'une fraction finalement du prix total de l'action. Donc alors là, après, il y a les taux de marge qui rentrent en compte. Sur une action comme Air France, par exemple, je crois qu'on est à 10%. On a 10% de taux de marge, c'est-à-dire que pour une action, 10 ou 15%, alors après ça dépend des capitalisations bien évidemment, mais admettons qu'on soit à 10%, c'est-à-dire que pour acheter une action Air France en CFD, le trader n'aura qu'à débourser que 50 centimes d'euros finalement. Voilà. Donc l'intérêt, encore une fois,
de faire ce qu'on appelle du trading sur marge, hein, fonctionner avec des effets de levier. On va définir un petit peu ce que c'est que l'effet de levier juste après. C'est justement de pouvoir traiter des quantités qu'on ne serait pas normalement apte à trader sur les marchés. C'est-à-dire qu'on va immobiliser qu'une fraction finalement de son capital pour aller ouvrir des positions qu'on n'aurait normalement pas le... C'est pas qu'on n'aurait pas le droit, c'est qu'on ne pourrait pas techniquement les ouvrir finalement. Ça, c'est bien et c'est pas bien. Alors, je vais pas re-rentrer dans la polémique hein, qu'on a eue au cours des dernières années sur... j'ai entendu beaucoup parler... Enfin, beaucoup de critiques à l'égard de certains produits financiers, comme par exemple les options binaires ou les CFD encore, en disant que c'était des produits toxiques, dans le sens où justement, ça fait tomber les gens dans le piège de la surexposition. Alors, c'est vrai, le piège de la surexposition, je ne peux pas le nier. Il existe, il est véritable. Et c'est normal que lorsque on ne vous demande que de dépenser que 10% justement de la valeur totale de l'actif, il y a des traders peu expérimentés qui n'ont pas le savoir ni technique ni financier pour trader, qui tombent facilement dans le piège de l'exposition. Et même des traders expérimentés hein, peuvent tomber un peu dans le piège de la surexposition, bien que moins facilement. Mais c'est-à-dire, enfin, je pense que ça t'est arrivé à toi, c'est arrivé à un petit peu tous les traders lorsqu'on débute. Lorsqu'on est tellement convaincu sur un mouvement de marché, une analyse qu'on a faite, on a tendance à vouloir augmenter de manière assez conséquente la voilure pour justement obtenir un maximum de profit sur cette position-là. Et c'est un peu le piège du CFD. Le CFD permet d'ouvrir des positions plus grandes que ce qu'on pourrait normalement ouvrir avec le capital qu'on a. D'accord ? Ça, c'est l'effet de levier, en fait, tout simplement, le trading sur marge, le fait de pouvoir investir plus que ce qu'on a réellement. C'est très bien dans le sens où ça permet d'accélérer le profit, mais c'est un couteau à double tranchant. Ça accélère également la perte, bien évidemment. Si je rentre sur, par exemple, un indice comme le DAX 30 à 25 euros le point sur le contrat standard, 25 euros le point, ça va très vite. Sur un indice comme le DAX, qui a vite fait de décaler de 50-100 points, ça va très, très, très vite. Et avec des gros effets de levier, c'est ça, en fait, c'est là-dessus que je pense que l'effet de levier, le CFD, est un problème. En fait, le CFD, il est bien dans le sens où il démocratise, si tu veux, la bourse. C'est-à-dire que même les petites bourses qui ont, enfin, vraiment les très petits porteurs qui ont 500, 1000 euros à mettre en bourse, qui sont vraiment des très, très petits porteurs, peuvent déjà commencer à trader et obtenir des profits assez conséquents avec des effets de levier assez conséquents, qui vont de l'ordre de 100, 200, 400, etc. Mais malheureusement, cet effet de levier est souvent mal géré par ces personnes un peu néophytes parce que très souvent, alors c'est pas tout le temps le cas bien sûr, mais très souvent, les très petits porteurs sont des personnes néophytes. Quelqu'un d'assez expérimenté sur les marchés, il va pas essayer de découvrir ce qui se passe avec 500 ou 1000 euros. Généralement, il a quand même un capital, il va allouer son capital sur certaines valeurs, il va gérer les choses de manière professionnelle. Donc en fait, l'effet de levier, ça peut être salvateur, vraiment salvateur pour un trader expérimenté qui aura l'occasion justement d'aller lisser son risque sur une plus grande quantité d'actifs avec l'effet de levier, parce qu'il pourra ouvrir plusieurs positions. Le trader expérimenté saura faire ça. En revanche, le trader inexpérimenté, lui, aura vite fait de tomber dans la surexposition, voire même d'empiler des positions perdantes, pyramidaliser des positions perdantes comme ça se fait souvent en se disant « tiens, je vais moyenner mon prix d'entrée à la baisse ». Oui, tu moyennes ton prix d'entrée à la baisse, mais tu augmentes une exposition perdante aussi. Donc, il faut faire attention à ça. C'est vraiment un mécanisme. C'est pour ça que j'apprécie pas qu'on tire à... Et quelle est la différence entre le CFD et le turbo ? Parce que moi qui suis plutôt action, on a plus de facilité dans les turbos. Mais on a eu pas mal de surprises dans les turbos quand même. Alors pourquoi quelle facilité tu trouves en plus sur le turbo, toi, Denis, par exemple ? Parce que les turbos sont des produits... qui sont pour le coup, alors je vais faire une parenthèse là-dessus, c'est plus des produits estampillés banque, on va dire, qui sont vraiment proposés par des grands établissements bancaires plus que par des courtiers pour particuliers, on va dire, mais qui sont tout aussi dangereux. Le turbo, c'est très très dangereux, mais en fait, comme tu réalises pas, l'effet du danger parce que tu mets des toutes petites sommes. C'est-à-dire que tu prends un turbo pour 100 ou 200 ou 1000 euros, tu arrives à être au levier 100. Tu arrives à jouer à 1 euro du point sur le CAC, par exemple. Ouais, bah voilà. Bah avec 1000 euros. C'est la même façon de faire. C'est, en fait,
C'est une appellation différente, mais le principe reste le même. C'est ce qu'on appelle du trading sur marge, tout simplement. Il est possible, avec des sommes ridicules, ouais, de s'exposer à des montants de risque assez assez on peut tout perdre. Moi, j'ai perdu ma mise. Enfin, j'avais 100 ou 200 euros, mais j'ai tout perdu des fois, hein, sur les turbos. Et le problème du turbo, c'est que ce soit BNP, Citibank, Commerzbank, tout ça, quand il y a un gros mouvement, le market maker, ta caméra qui a bougé un peu. Ah. Ouais. T'as le market maker. T'as le market maker qui s'en va dans les turbos. Qui s'en va, c'est-à-dire bah, qui. T'as plus de contrepartie. T'as plus de carnet d'ordre. Ah bah ça c'est. Pendant 5-10 minutes, sur des grands mouvements, il est plus coté. Donc en fait, ça veut dire que. Alors attends, il est plus coté ou c'est juste que t'as pas d'acheteur en face pour vendre ta position ? J'ai pas d'acheteur et j'ai pas de vente, alors que le market maker s'en va. Il n'y a personne sur le carnet. Non. Il n'y a plus personne. Le carnet, de toute façon, sur le turbo, normalement, c'est le market maker qui a, c'est la banque. Il s'en va. Et moi, ça m'est arrivé sur un micro crack sur le DAX. Et puis, c'est arrivé à beaucoup de gens que je connaissais durant la descente du Covid. Ouais. Avant que les ventes à découvert soient interdites sur le CAC. Ouais. Il prenait des poutres et il n'y avait personne en face, quoi. Parce que, ouais, mais alors... Ça perdait 3-4%, il n'y avait plus personne. Il ne pouvait pas vendre, après, il ne pouvait plus vendre. C'est... Mais ouais, mais ça... Bon, le fait qu'il n'y ait plus personne en face, c'est un phénomène logique de marché qui arrive dans des conditions, entre guillemets, un peu anormales. Ouais. Dans le sens où... C'est un peu comme ce qui s'est passé au mois de mars ou avril dernier quand le pétrole est tombé à moins 40 dollars. Pourquoi il est tombé à moins 40 dollars? Parce qu'il n'y avait plus d'acheteurs. Il n'y avait plus aucun acheteur, il n'y avait plus de place dans les stocks. Ouais. Donc forcément, quand il n'y a plus personne en face, le deal ne peut pas se faire. Le fait qu'il n'y ait plus personne sur le carnet à la vente ou à l'achat, ça peut s'expliquer. Ouais, mais l'indice, un indice, l'indice il cote, quoi. Tu peux jouer l'indice. Non, mais l'indice il cote, mais pour qu'il y ait un mouvement, tu étais obligé d'avoir une contrepartie derrière. Maintenant, la question qui se pose, c'est si la contrepartie, c'est la banque elle-même. C'est la banque, ouais. Sur les turbos, dans 99% des cas, c'est la banque, la contrepartie. Bah oui, normalement. Et la banque, elle s'en va à un moment. Voilà, dans 10 minutes, elle s'en va. Ça, c'est un peu malhonnête. Enfin, c'est un peu malhonnête, je veux pas non plus. Voilà. Non, mais on a fait les copies d'écran et tout, et puis on a tout envoyé, quoi. Mais on va voir ce qui va se passer. Mais... Tu sais, alors bon, je vais peut-être pas forcément me faire que des amis en disant ça, mais moi, ça me fait doucement rigoler quand je vois, je lis ou même j'entends des banquiers, hein, donc de mecs de chez Société Générale, BNP, ou même Citi, même ici à Londres, Morgan Stanley, etc. Toute cette industrie bancaire qui tire à boulet rouge sur les CFD. En disant c'est des produits toxiques, attention, je suis désolé, quand on voit ce qui se passe sur les turbos, le massacre qu'ils font sur les turbos, permettent de trader avec des effets de levier démesurés. Et en plus, le cas de figure que tu m'as expliqué, où la contrepartie broker, enfin banque, s'en va quand ça l'arrange, je trouve quand même que c'est Le turbo, on n'arrive pas à calculer, hein. il y a toujours. Moi, j'avais essayé de faire un Excel pour voir le prix de l'action ou le prix de l'indice par rapport au prix du turbo. Et il y a toujours une variable, ils disent pas ce que c'est, et elle change à chaque fois. Il y a toujours une variable. Il y a toujours un delta. C'est pour ça, moi, ces grands groupes bancaires qui crucifient les brokers, et là je mets tous les brokers, je parle d'Active Trade, mais je parle également de IG, CMC, Saxo, enfin tous les brokers vraiment... particulier parce que je dis broker particulier parce qu'ils ont beaucoup, ils sont beaucoup exposés sur les clientèles particulières, même si ils travaillent également avec les institutionnels. On va pas se mentir, de toute façon, moi je pense que les grands groupes bancaires essaient, en fait, ils voient que ce marché du brokerage pour les particuliers leur a échappé et ils essaient de le récupérer un petit peu. C'est pour ça, on peut pas critiquer des produits comme les CFD. Je vais même aller plus loin, on peut même pas critiquer les options binaires. Les options binaires, alors ça, c'est un produit qui a une réputation horrible, parce que beaucoup utilisé par des brokers peu scrupuleux à l'époque, qui venaient de zones, voilà, Israël, Chypre, Malte, etc.
Alors qu'en vrai, les options sont des produits, enfin je veux dire, c'est utilisé quotidiennement par les banquiers, enfin c'est vraiment, il y a des vraies stratégies sur options qui existent, enfin c'est, voilà, c'est... Après, l'établissement derrière, le caractère escroc de l'établissement derrière qui véhicule l'option ou le CFD, ça c'est autre chose, mais le produit en lui-même n'est pas toxique. C'est l'établissement qu'il est. Donc c'est pour ça, moi, c'est plutôt pas mal qu'on parle des turbos aujourd'hui. Je trouve que ça a tout à fait sa place dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque finalement, le produit CFD, c'est quoi ? C'est un produit qui permet de trader plus que ce qu'on a. À la base, c'est pas destiné à des joueurs casino. La bourse n'est pas destinée à des parieurs ou à des joueurs casino déjà à la base. Malheureusement, il y a tout un tas de gens qui s'y perdent, hein, parce que je peux comprendre qu'on puisse retrouver une excitation un peu similaire lorsqu'on gagne ou qu'on perde, etc. Je pense quand même que le CFD c'est un produit qui est vraiment salvateur pour pas mal de traders qui savent l'utiliser. Mais voilà, je vais quand même nuancer un peu mon propos, Denis, parce qu'on est là aussi pour dire toute la vérité, c'est important. Il faut reconnaître, parce que les chiffres sont là, que depuis que l'ESMA a changé la réglementation sur les effets de levier, hein, alors avant la réglementation, pour rappeler ceux qui n'ont pas trop suivi, avant la réglementation de l'ESMA, qui est la réglementation au niveau européen sur justement tout ce qui est investissement financier, nous, chez Active Trades, on offrait des effets de levier allant jusqu'à 400. D'accord ? On pouvait trader jusqu'à 400 fois ce qu'on avait. C'est incroyable. C'est-à-dire que pour ouvrir un lot d'euro-dollar, alors un contrat standard sur l'euro-dollar, c'est 100 000 euros. D'accord. Il fallait juste 250 euros de marge limite, enfin de marge limite, de marge requise. C'est rien. 250 euros pour 100 000 euros, c'est rien. Et pas étonnant que pas mal de particuliers qui ne s'y connaissent pas trop soient pris un petit peu les pieds dans le tapis avec ces histoires de levier. Faut reconnaître que depuis que l'ESMA a changé ses effets de levier, alors les effets de levier sont différents selon les actifs et les classes d'actifs, mais pour reprendre l'exemple de l'euro-dollar, qui est un des produits les plus traités au monde sur une des classes d'actifs les plus liquides au monde. On est passé de levier 400 à levier 30. Donc le drop est énorme, si tu veux. Et il faut reconnaître que depuis que ces mesures ont été introduites par les régulateurs, bien moins de personnes perdent leur argent. Nous, chez Active Trade, je veux pas parler des concurrents, parce que déjà, c'est pas ma politique d'aller taper sur les concurrents. Et puis deuxièmement, je connais pas exactement leurs chiffres, donc je peux pas en parler. Mais chez nous, chez Active Trades, avant l'introduction des mesures de l'ESMA, je crois qu'on était à 89% de clients perdus. La vache, c'est énorme. 6 mois. Ça veut dire que sur les 6 mois, 89% qui déposaient leur argent le perdaient. Sur les 6 mois. Ils pouvaient le perdre en 15 jours comme ils pouvaient le perdre en 6 mois. Et c'était plutôt des gros comptes ou des petits comptes Tout confondu. Tout confondu. Voilà. Après, les statistiques. Alors, si la question c'est de savoir est-ce qu'effectivement les gros comptes s'en sortaient mieux que les petits, ça, j'ai pas les chiffres, je peux pas te dire. J'aurais tendance à te dire que oui, puisque en fait, plus on met d'argent sur un compte, plus on a l'intention de trader de manière professionnelle. Mais j'ai également traité avec des millionnaires pour qui 50, 100 000 euros, c'était comme 10 ou 20 euros pour toi ou moi. Donc, je les ai déjà vus cramer des comptes à 200, 300 000 euros sans que ça leur fasse rien, si tu veux. Donc, après, c'est toujours le rapport qu'on a chacun avec l'argent, etc. Mais bon, j'aurais tendance à te dire oui, parce que généralement, quand on met des gros sous, c'est pour bien les gérer. Maintenant, du coup, j'ai perdu le fil de... C'était 80... Ah ouais, depuis la régulation de l'ESMA, on est passé de 89 à... Et on est passé de 89 à 73. Donc, c'est presque un drop de 15%, un peu plus. Bien sûr, ces données-là, les chiffres que je suis en train de te donner, on les change tous les mois ou tous les trimestres. Ils sont affichés sur notre site parce que ça aussi, l'ESMA a demandé à tous les brokers de publier ces chiffres-là de manière à ce que les clients soient vraiment au courant quand ils ouvrent un compte chez un broker. Et ça, je pense que c'est bien parce que même si je me pose souvent en défenseur du CFD, de l'effet de levier, etc., il faut quand même saluer les efforts qu'a fait l'ESMA et les régulateurs, l'AMF en France, l'AFC en Angleterre, etc., parce que c'est bien qu'ils aient fait ça, parce que comme je t'ai dit, pendant plusieurs années, on avait pas mal de clients qui venaient chez nous, qui ouvraient des comptes chez nous. Alors je pense que c'était la même chose chez les concurrents, qui venaient chez nous et qui venaient justement de paris sportifs, de casinos en ligne, de choses comme ça. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas des stratégies super intelligentes à mettre en place sur la roulette ou le poker. Ce n'est pas le propos ici. C'est juste que, pour moi, le trading et le casino ou les paris sportifs sont deux mondes totalement différents. Et je pense que ces mecs-là,
ces gens qui venaient pour parier sont des parieurs, c'est tout. Les gamblers, ils ouvraient un graphique, ils ouvraient un graphique H1 ou H4, ils voyaient que la courbe descendait, ils rentraient n'importe quand, ils sortaient n'importe quand, et forcément qu'ils se faisaient éclater. S'ils avaient un petit peu de chance sur 1, 2, 3, 4, voire 5 trades, ils faisaient de l'argent, mais le sixième, ils se faisaient avaler. C'est comme ça que ça se passe. Tandis que une personne néophyte, certes, mais qui a vraiment l'intention, enfin qui prend la pleine mesure de la complexité de la tâche d'un trader, elle va perdre un peu d'argent, mais elle va être plus déjà dans leur... elle... plutôt que d'être dans l'objectif de doubler son capital en une ou deux semaines, elle va plus être dans l'objectif de le préserver, de au moins rester positif dans un premier temps, puis après de faire un peu de profit et des profits mesurés, pas faire plus 100 ou 150% en deux semaines. C'est pas possible. Les meilleurs fonds de gestion au monde font à peine plus de 30-35% par an. Comment tu veux, toi, sans éducation financière, faire mieux que BlackRock ou Berkshire Hathaway, ou... C'est pas possible. Il faut avoir un peu de bon sens. Alors, là encore, je nuance le propos. Les gros fonds de gestion, paradoxalement, ça, c'est en fait, le trader particulier a un énorme avantage par rapport aux gros fonds de gestion. Auquel gros fonds de gestion, il fait bouger les courbes, il utilise des volumes tels qu'il peut se permettre de diversifier son risque sur plein d'actifs, etc. D'accord. Maintenant, le gros fonds de gestion, lui, quand il débouque ses positions, ça doit se faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur certains actifs. Toi, en tant que trader particulier chez Active Trades ou ailleurs, tu peux rentrer, sortir du marché comme ça, sans que ça impacte le prix. Un trader de chez Morgan Stanley qui doit déboucler une position de 650 000 actions Apple, il ne va pas les faire en une seule fois, tu t'en doutes bien. Donc voilà, il y a des mécanismes qui sont différents selon... que tu sois un institutionnel ou un trader particulier. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose à retenir sur le CFD, c'est que le CFD est là pour démocratiser la bourse auprès des tout petits porteurs, qui leur permettent d'accéder à la bourse avec des petits capitaux. Mais ce gain-là a un revers de la médaille, si je puis dire. Il faut ne pas tomber dans le piège de la surexposition. Parce que en vrai de vrai, Denis, moi je peux te le dire, j'ai des années d'expérience chez un broker, ce qui tue la majorité, l'écrasante majorité des gens qui perdent, parce qu'il y a des gens qui gagnent, attention, mais les gens qui perdent, ce qui les tue, c'est pas leur stratégie, c'est pas leur money management. Enfin, c'est oui et non, c'est leur money management dans le sens où c'est la surexposition. Généralement, ils arrivent à faire des bonnes analyses, à faire des bonnes prédictions. Ils ont un money management qui a l'air carré au demeurant, mais ils ne le respectent pas. Ils tombent dans le piège de la surexposition. Je te donne un exemple. Imaginons que j'ai une action Air France à 5 euros. J'anticipe un retour à 15 euros. D'accord ? Je me dis, bon, bah, j'y vais. Je suis tellement convaincu de mon analyse que j'y vais plein pot. J'y vais all-in comme un parieur de poker. D'accord ? Bon, bah, si l'action, avant de remonter à 15 euros, elle refait un pullback à 3, ça veut dire que moi, je dois encaisser les 2 euros de décote qu'il y a eu par rapport à mon prix d'entrée. Si je suis surexposé à ce moment-là, et eh ben je me fais tuer. Parce que là, justement, alors c'est ça la marge. C'est-à-dire que si tu prends full in à 5 et que ça descend à 3, tu peux plus avoir des CFD parce que tu n'as plus assez de marge. Effectivement, si tu n'as plus assez de marge pour tenir la position ouverte, là, dans ce cas-là, tu commences à... Alors, si tu... Parce que si par exemple, tu passes en dessous... Si sur ton compte, tu passes en dessous... Là, on part un petit peu dans les détails un peu techniques, mais c'est important. Si, par exemple, sur ton compte, je dis n'importe quoi, on va prendre un autre exemple, il y a 50 000 euros. Tu as 50 000 euros de capital sur ton compte. Tu es tellement convaincu de ton analyse, peu importe l'actif sur lequel tu vas, que tu mets les 50 000 euros. Tu mets, ou très proche, 45 000. Imaginons que tu bloques 45 000 euros de ces 50 000 euros, tu vois. Si tu commences à perdre... Si tu commences à 2%, à perdre plus, si tu commences à perdre plus de 45 000 euros sur ta position, donc soit plus que ce qu'il te faut immobiliser pour tenir la position ouverte, ça veut dire que tu commences à passer dans une situation qu'on appelle d'appel de marge. Tu es en appel de marge. Et nous, c'est-à-dire que si tu mets 45 000 euros en levier 30, tu es à 1 200 000, hein, c'est ça, hein. Ouais, exactement. Et si tu es à 1 200 000 pour perdre 45, ah bah oui, si t'es en levier 4, ça te fait 2,5%. C'est-à-dire que si t'es full in, et si tu fais, si l'action ou ce que tu as pris perd plus de 2,5%, t'es à zéro, quoi. Voilà. Et c'est pas exceptionnel, c'est pas anodin, le cas qu'on est en train d'évoquer ici. Et là, t'as un appel de marge, et qu'est-ce qui se passe ? Bah, appel de marge, à un moment donné, le broker, parce que si tu veux, généralement, ils ont ce qu'on appelle des mécanismes de protection, les brokers, ils veulent éviter que ton compte passe en négatif. Parce que là encore, je dois le rappeler, techniquement,
ton compte peut passer en négatif. Ce qui se passe, c'est que tu peux déposer 100 000 euros chez un broker ou 10 000 euros ou ce que tu veux, et sur un fort mouvement de marché ou parce que tu as mal géré ton portefeuille, tu peux te retrouver à moins 20 000 euros. Et là, du coup, les 20 000 euros, il faut que tu les rembourses au broker. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et alors, nous, bah, alors le broker peut te fermer la position. Voilà, le broker, généralement, pour éviter que tu tombes en négatif, il a ce qu'on appelle un système de trade-out. C'est un système qui va couper automatiquement les positions les plus déficitaires dans le cas d'un appel de marge. Si tu as moins de sous sur ton compte que ce qu'il te faut pour tenir la position ouverte. Parce que la situation devient très dangereuse à ce moment-là pour toi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si tu perds, si tu es en levier 30, levier 40 et que tu perds 2%, si on te ferme tout, tu es à zéro. Donc, tu peux plus gagner, quoi. C'est-à-dire que tu as perdu 2%, tu as tout perdu, quoi. Voilà, mais c'est mieux de tout perdre, entre guillemets, que de devoir de l'argent derrière, ouais. Si tu veux. C'est pour ça qu'en fait, il faut jamais être en full levier, parce que si tu veux, je pense en marchand, là, si tu veux récupérer, il faut perdre moins de 2%, en fait. Mais si tu as perdu plus de 2%, on ferme. Ah bah, de toute façon, plus tu perds, plus ce sera dur de remonter derrière. Regarde, la caméra qui a bougé encore, Pierre. Ah. Ouais. Je te donne un exemple tout bête, d'accord ? Ce qui s'est passé en 2015, là, sur la crise du franc suisse, où l'euro CHF est passé de 1,20 à 0,83 en l'espace d'une minute. Bon, il y a des courtiers qui ont... Ouais, il y a des courtiers qui ont fait faillite ce jour-là. Dont Alpari par exemple, pour ne citer que. Et moi j'ai des clients, mais ça c'est véridique, hein. Je sais plus si je t'en avais déjà parlé lors de notre premier live. Moi j'ai eu des clients qui m'ont dit: Monsieur Verret, qu'est-ce que je fais? J'ai un compte chez vous et un compte chez un autre broker dont je tairai le nom parce que je veux pas. Voilà. Bon, chez vous j'ai pas de problème, mais chez ce broker là je suis à moins 800 000 euros. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je suis au SMIC. La personne me dit: moi je suis au SMIC. Comment je fais? J'ai pas d'argent de côté, j'ai rien. Enfin, il avait 5 ou 10 000 balles de côté. Et il me dit, et ce broker-là me demande de rembourser parce qu'ils ont invoqué le cas de force majeure, etc. Nous, chez Active Trades, c'est pas possible. C'est pas possible de passer en négatif. Même si sur un fort mouvement de marché, le compte passe en négatif, Active Trades prendrait la perte à sa charge et on rembourserait ce qu'il faut. On ramènerait le compte à zéro. Et ça, c'est important de le souligner, c'est que depuis cette crise, parce qu'il y avait pas mal de brokers qui garantissaient contre les soldes négatifs avant la crise du franc suisse, et depuis ce qui s'est passé avec la BNS, ils ont enlevé ces conditions de leur contrat client. Nous, on l'a gardé, on continue de le faire. Donc ça, c'est très important à souligner, parce que souvent, les gens s'imaginent que le trading en ligne, parce que c'est aussi le marketing qui veut ça, le marketing des brokers, ils font croire que c'est facile, on est sur des marchés dangereux. Trader le Forex, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. Quand on sait ce qu'on fait, c'est bien. Mais quand on est un néophyte, surtout que le Forex, quand même, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est quand même une classe d'actifs particulièrement compliquée à trader. C'est un marché qui est ouvert H24. On investit sur deux actifs en même temps. C'est un marché qui est tributaire de tout ce qui va se passer dans deux zones économiques en même temps. Les indicateurs éco. Tiens, regarde, une journée comme aujourd'hui, on a le PIB américain, les inscriptions au chômage, les ventes de maisons neuves, le FOMC à 20h ce soir. Enfin, c'est fou tout ce qui peut influencer sur... Tandis que quand on achète une action, bon, ben on va regarder les carnets de commandes, on va regarder les comptes de résultats, on va regarder les perspectives économiques à court ou moyen terme. Voilà, c'est beaucoup plus... C'est méso-économique, en fait. C'est beaucoup plus, j'allais dire, restreint. Le monnaie, l'euro, analyser l'euro, déjà sur une zone aussi vaste, une zone économique aussi vaste que l'Europe, avec des pays aussi où il y a de telles disparités entre les pays, et en plus en face d'une monnaie comme celle du dollar... C'est surtout qu'en plus, sans parler du fait que le marché du forex, la classe d'actifs du forex est complètement manipulée par les banques centrales, faut le dire aussi. C'est les banques centrales qui font la pluie et le beau temps. Donc là, on avait l'exemple de la BNS qui a enlevé son prix plancher des 1,20 sur le franc suisse sans prévenir personne. Ok, c'est un signe noir, personne l'avait vu venir. Mais demain, voilà, imaginons que ce soir. Je sais pas, moi, dans les minutes de la Fed, du FOMC, on s'aperçoit que ils arrêtent tous les programmes de rachat d'actifs. Enfin, bah, tu vas voir le spike qui va y avoir, hein, sur l'euro-dollar. Moi, je te le donne en 1000. Il va y avoir au moins 100 pips, c'est sûr. S'il y a une annonce comme ça, bien sûr. S'il y a un non-event, il y a un no-event. Mais voilà, c'est compliqué. Le CFD, c'est pas... Alors, les marchés financiers sont compliqués. Le CFD, paradoxalement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste bien appréhender les notions de trading sur marge, d'effet de levier. Et puis après, c'est de la gestion émotionnelle, pas tomber dans le.
Et les CFD, alors, si j'ai bien compris, il y a un spread sur une action, mais il n'y a pas de commission, ou il y a une commission d'achat et de vente. Ah non, c'est l'inverse. Sur les actions, il n'y a pas de spread. Enfin, il n'y a pas de spread. Il y a ce qu'on appelle un spread de marché, qui est un spread très très faible, quoi. Ça va être 5,01, 5,02 pour le Bidask sur Air France, par exemple, tu vois. Nous, enfin, en tout cas, le broker ne prend rien sur le spread. Au contraire, à contrario de ce qui se passe sur le Forex, sur les indices et les matières premières et puis les marchés obligataires. Par contre, il y a des commissions. Il y a des commissions et les commissions vont être différentes selon les actifs, selon les flux sur lesquels tu es. Par exemple, si tu es sur le flux Eurex, les capitalisations européennes, ça va être, je crois, 0,5% du montant des transactions avec un minimum de 1 euro chez Active ouais. Trades, encore une ouais. fois, parce que chaque broker a sa structure de commissionnement différente. Si tu passes sur les actifs américains, les actions américaines, elles sont un petit peu plus chères. C'est l'accès au flux, finalement, d'accord. au flux de marché, tout simplement, qu'il faut payer. Et sur les indices et le Forex, non, c'est le spread, alors. C'est le spread, et puis les frais swap, si on veut, enfin, si on n'est pas sur les contrats futurs, bien évidemment, c'est les frais swap si on veut faire rouler une position d'un jour à l'autre. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de commission, du coup. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des comptes CFD. Bien sûr, alors là je pense que tu le feras déjà dans ta description, mais si on a des gens qui se posent encore des questions, si j'ai pas été assez clair, faut pas hésiter, hein, qui puissent poser leurs questions. Moi je suis toutes les vidéos que tu sors et je regarde en particulier l'espace commentaire. Donc ouais. N'hésitez pas à poser vos questions sous ouais. la vidéo de Denis, moi j'y répondrai de toute façon. Ok, ben merci pour tout Pierre, et puis on se voit rapidement pour notre petit webinaire ouais. interview quoi. On essaye de ouais. se revoir courant septembre, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Décembre, ouais. Courant décembre, il y aura pas ouais. mal de choses à dire avant la fin de l'année, je pense, donc ce sera d'accord. avec plaisir Denis. Ok, plaisir. Pour une fois, je vais y penser, alors n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de mettre des likes si vous a plu, de vous inscrire à la chaîne, de faire sonner la cloche, et puis dessous je mets le lien pour aller voir Active Trade un peu, pour voir comment ils sont, et puis top. Vous serez bien reçu par Pierre. Ouais, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour répondre à tous voilà. Donc n'hésitez pas. Merci à toi Denis en tout cas. Ciao ciao. Allez ciao, ciao.